aussi un peu simplifié là, qui est un jeu développé par Square Enix, qui a aussi, alors je me souviens plus, laissez-moi 2 secondes. Il y avait un autre jeu, si je dis pas de bêtises, que j'avais acheté, qui avait été aussi fait par Square Enix et qui était passé sous le radar. Laissez-moi regarder vite fait. Il est plutôt bien en soi, il est plutôt bien, je trouve. Il est pas dégueulasse quoi. C'est. Combien il y a de jeux là-dedans? 199, putain. C'est The Diophil Chronicle qui a aussi été laissé de côté par Square Enix, tu vois, bon. Pas de pub, rien. Ouais, des feux d'artifice dans la boutique, ça va vraiment pas le faire. Et puis en plus, bon, je suis pas très chaud pour me prendre un feu d'artifice dans la gueule. Mais franchement, c'est vraiment des gros cons, quoi. Ça crie, je suis avec Ken, du coup. Ça crie genre à la justice, etc. En quoi c'est de l'œuvre de la justice de foutre le feu à des magasins, de tirer avec des mortiers dans des magasins ou des appartements? C'est juste des gens mal élevés qui n'ont pas eu d'éducation, quoi. C'est des racailles au final. 静かに雨が降っていた. Désolé, on retourne donc dans l'univers féerique de あの日, une pluie fine tombée le jour où mes parents両親が死んだ. sont morts, la maladie a fini par les emporter.病気だった. Les adultes me disaient de ne pas les pleurer, ils ne faisaient que partager certains 集まった大人たちは口々に. souvenirs et leurs attentes dans les années qui allaient.悲しんで. Il y a un côté un peu, je sais pas si vous avez remarqué, mais un peu Bravely Default. Et c'est très beau, c'est ce que j'avais vu des bandes annonces. Et la musique aussi était plutôt belle. Attendez, je mets le micro comme ça. La PS4 elle chauffe pas. Putain, pour l'autre merde elle a chauffé. Mais pour ça non. Ne sois pas triste, Kageshi. Soda. Je vais aller parler à mon papa. Apparemment, c'est un voyage qui questionne le sens de la vie et de la mort. Tout ce qui est du domaine du monde funéraire. Tout ce qui est la vie après la mort, les âmes, tout ça. La réincarnation. C'est un gardien. Il peut parler aux morts. Peut-être qu'il peut aussi parler à ta maman et à ton papa. Non, ce n'est pas la peine, je vais bien. Mais les morts, on les laisse dans les lits. Mais pourquoi il a les cheveux blonds, lui? Ses deux parents sont châtains. C'est ça, des activités d'été, c'est dégueulasse, ça. Il y a des enfants, tu les emmènes en règle générale au mois de juillet pour aller faire des feux d'artifice et tout, et ben ils peuvent pas. Ils vont avoir un 14 juillet plat et vide. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est quoi, une âme, un esprit? C'est joli en tout cas. Ah, ça pue le personnage qu'on va devoir traquer parce qu'il a l'air intéressant. Kimi wa. Qui est là? Anata. C'est toi. Hein? Quoi? Naze? Mais pourquoi tu n'es pas entier? Nani? Entier? Quoi? De quoi parles-tu? Ne. Est-ce que ça va? Yeah. Cette fille me connaissait. Quelle fille? Are? Ah, elle était juste. Bon, elle disparaît. Oh. Aide-le, papa. Ça. Kachi. Ils ont tous des noms japonais. Viens, Kagashi. Après, les Japonais ont une perception de la vie et de la mort assez particulière. Je me rappelle qu'à une époque, quand on avait humilié toute sa famille et tout, on se sait beaucoup, on se harakiri, jamais pour le défendre. Alexa, c'est quoi la différence entre le seppuku et le ayakiri? Non. Voici une réponse sur le site de boutefrage.net. Un emplacement correspond à un emplacement. Non, non, Harakiri. Alexa, quelle est la différence entre le seppuku et le harakiri? Voici une réponse d'un utilisateur, Alexa Answers, que j'ai traduite.
El Seppuku, Arakiri, Arakiri ou Arakiri, ou Arakiri Anime. Demokat est le rituel du suicide japonais en ce dernier-là. Comment est la différence? On parle d'Arakiri si le geste est pratiqué par les petits gens du peuple. Par contre, ce sont les samouraïs qui se tranchent le ventre, on peut parler de seppuku. Ah oui, d'accord, ok. C'est une question de classe sociale. Okay. Dis-moi, tu savais que le Arakiri, en fait, était une méthode de suicide qui était pratiquée par des membres de la basse population, enfin, le petit peuple, alors que le seppuku concerne plutôt les nobles, enfin, les nobles, les samouraïs, etc. Novice, ça rentre des nobles aussi, dans la case. Hein. Il est temps de dire au revoir à ta maman et à ton papa. Mais tu ne dois pas les pleurer. Nanze. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas être triste? Solewa. Le chagrin emplit les morts de regret, mon garçon. Ah, c'est une approche intéressante. Concernant par exemple les esprits errants. Les esprits plutôt qui hantent certaines personnes ou des lieux. Justement parce qu'ils sentent une certaine tristesse, un chagrin chez les personnes qui leur étaient chères. Deux petites secondes. Parce qu'en fait, étant donné que je croyais avoir affaire à un jeu d'horreur, un vrai, avant, j'ai augmenté le son du casque. J'ai un mon garçon, ouais. Lorsque les morts ont des regrets, ils perdent leur chemin. Et ceux qui sont perdus ne peuvent pas ramener. Ils ne peuvent pas. Donc on est sur de la réincarnation. Non, mon fils, ils ne peuvent pas. Pourquoi tu appelles mon fils? Tu l'adoptes? Ceux qui sont perdus perdent leurs âmes et ne peuvent pas renaître en tant que personne. C'est la réincarnation. Il en est ainsi sur cette terre. Être perdu, cela va à l'encontre de l'ordre naturel. Est-ce que tu comprends? Les Japonais ont toujours une perception de l'après-vie bien particulière et plutôt bien retransmise dans les jeux, les mangas, les animes. On croit ici de... Ouais, je crois. Alors ton chemin est toujours ouvert devant toi. Ouais, côté Bravely défaut quand même. Ah, on peut faire de l'avance rapide, putain. Ça c'est cool. 20 ans plus tard, je n'ai compris de ça, c'est bon. Après de nombreuses années, quand j'ai rejoint les gardiens du voile, comme le père de Mayura. Iktomori wa. Les gardiens maintiennent l'ordre entre le monde des vivants et au-delà. Le voyage entre les mondes pour sauver les égarés qui ont fait. Ça fait un peu à Ono Exorciste. Ou des Greyman. Il a les cheveux blancs, non, le protagoniste? Est-ce qu'il a une main bizarre? Ah. On s'est attaqué par des piafs. Ok, instant, déplacer, ok, d'accord. Un démon, ça me rappelle Owari the Seraph, ça. Un démon passionné est attentionné. Aisha est aux côtés de Kagashi depuis ses débuts de gardien. Tu aurais bien de le montrer, ça. Elle garde des souvenirs lointains d'un bonheur éphémère et d'un intense besoin d'amour. Aisha peut se déplacer librement sur le champ de bataille et les épées qu'elle manie frappent prestement et violemment, faisant d'elle une guerrière. Ok, je vois que tu t'es bien occupé. Arigato. Merci, mon Dieu. Non.
pourquoi es-tu si gentil avec eux? Ils sont rien de plus qu'une arme. Ça fait très Owari no Seraph, ça. Attends. Attention à ce que tu dis. Les démons étaient des personnes avant. Des personnes qui ont des sentiments. Dana. Ouais, était. Mais toi, t'es devenu un blasé de la vie, c'est ça? Le de ta mère. Bon, pense ce que tu veux, mais finissons l'émission. On dira que les garages de Gershon est un petit. On dirait. Est un petit garçon. Est-ce que Léo t'a raconté son histoire? J'espère qu'il est prêt à entendre ce que nous avons à lui dire. Ah. Je m'en occupe. Mais... Je l'ai répété un million de fois, tu dois vraiment changer d'attitude. C'est à cause des sentiments des vivants que les morts se perdent. Tu l'as oublié? Les égarés sont déjà perdus. C'est le principe. Ouais, c'est vraiment impossible, bon allons-y. Ouais, la mini-carte, d'accord, ok, c'est là. Comment on part déjà? Yashiko o tsukau. Ah, ça permet de récupérer de la vie l'enfant. Okay. Voilà. Pour moi, c'est fait. Ok, le menu est comme ça. Attaque, compétence, compétence, action, démon. Mais c'est où parer? On peut pas parer? C'est un jeu où on peut pas parer? Pas pareil. Ok, c'est particulier comme jeu. Ok, pourquoi pas. Ah. Aïcha. Oui. Ah, pour changer, on vendra plusieurs esprits. Ok, d'accord. Du coup, je ne peux pas tourner la caméra. C'est un petit peu problématique, ça. On peut pas parer de ce jeu. Et en plus, je ne peux pas tourner la caméra. Je découvre un peu en même temps. Le jeu, hein, bien sûr. Pas un hôtel là. On pense plus vite. Hein. Okay. Je ne peux pas parer, comment ça marche? Possession profonde des monstres. Plus tu utilises des monstres, plus tu obtiendras des pierres d'âme. Ok, d'accord. Ouais. Démon. Sakura. Compétence. Tu peux jusqu'à 4 compétences à la fois. Tu peux attribuer.
Ces nouvelles compétences peuvent être acquises via l'arbre de compétences. Va dans l'arbre de compétences pour acquérir. Oui, ok, d'accord. Chaque compétence a un temps de récupération. C'est logique. Ah, la sération rapide. Et comment on lui fait arbre de compétences? C'est joliment fait, mine de rien. Tu peux utiliser des pierres d'âme. Oui, je me doute, oui. C'est quoi ça, lacération rapide? Sakura. Et attends. Ça a l'air basique, ça. Un des souvenirs des chasses, c'est l'intérieur. Ah, vas-y, après là. Attends, ça m'intrigue, ça. Souvenir d'Aïcha. C'est une valeur pour regarder. Ok, d'accord. Et je peux esquiver maintenant? Ça marche. Faut que je mette en compétence l'esquive. Attends. Comment ça marche? Je peux changer de démon. Non mais j'ai pas de démon. Mais c'est pas ça. Comment j'esquive? Esquive longtemps en fonçant. Voilà, monde des niveaux de le monde des vivants sur terre de chair et de sang. Un monde naturel débordant de vie où les créatures se réjouissent d'être vivantes. L'au-delà, la terre des morts, un monde qui existe en parallèle avec le monde des vivants. Et pourquoi on me dit ça? Appuie sur L2 pour débattre dans le monde des vivants. Au-delà, quand tu rentres dans un nouveau lieu, là, tu subis la limite du voile qui t'empêche de t'équiper ton environnement. Tant que tu subis la limite du voile, tu es vulnérable. Ainsi, toutes les attaques que tu reçois sont fatales. Une connexion apparaîtra lorsque tu vas un voleur de vie, un type de déchu rare qui apparaît enveloppé d'un miasme toxique. Traverse le voile, fait une connexion, la limite du voile sera levée dans cette zone. Ok. L'au-delà. Ok. C'est les versions digivolvées, ça? Pas censé être un gamin qu'on cherche. Les coups sont toujours critiques. Précieux. Toi, les petits garçons. Nous sommes des gardiens. Nous sommes là pour t'envoyer de l'autre côté. Envoyer de l'autre côté. Est-ce que je suis mort? Non, non, t'es bleu fluorescent parce que c'est l'hiver. Oui, t'es mort. Oui, je le crains. Nous sommes là pour t'aider à rejoindre l'autre monde. Peux-tu nous confier quelque chose? C'est quelque chose qui te rend triste, qui te contrarie et qui pourrait te retenir ici. Je m'inquiète pour ma mère et mon père. Je ne veux pas qu'ils se sentent seuls sans moi. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Tu ne peux rien y faire maintenant que tu es mort. Je lui cache. Si ça va te contrarier autant, essaie de t'incarner Corista dans le monde des vivants. Mais putain, mais mec, t'as abandonné ton âme quand t'as perdu tes parents? Un gamin doit avoir 5 ans, c'est jamais sa faute s'il meurt. Ce n'est pas ce que nous voulons dire, tu ne dois pas te sentir responsable. Bah oui, sinon il va garder un lien avec le monde des vivants. Réfléchis avant de parler, Kakashi. Oui, tombe cette fois ta langue dans ta bouche.
D'accord, mais avant de partir, je voudrais revoir ma mère et mon père une dernière fois, je peux? Juste une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, laisse-le les voir. Ça aurait été bien si vous aviez laissé ses parents le voir quand il était petit, non, notre héros? Je sais pas, je dis ça, il n'a pas les yeux verrons d'ailleurs. Bien. Ça, on t'emmène les voir. C'est vrai? Mais ça doit être un au revoir, tu sais? Ouais, je vous prie. Ils sont sûrement à la maison. Ma maison est par là. Alors, c'est parti. Sinon, les deux machins là au fond, on fait comment? Putain, c'est devenu des raptors. Un niveau de plus. Donc, c'est plus niveau mortel. Ça c'est fait. Ah, il y a des nouveaux mobs quand même, c'est bien ça. Ça c'est bien, vous voyez. Manifestation affinité. L'affinité reflète la profondeur de possession des démons. Elle augmente pendant le combat et chute lorsque tu utilises des compétences. Une affinité élevée augmente ton attaque, mais si elle dépasse 150, elle réduit ta défense. Alors fais attention. Lorsque l'affinité est de 100 ou plus, tu peux appuyer sur L1 pour manifester. Lorsque tu manifestes, les stats augmentent plus vite. Tu peux annuler toutes les actions et les dégâts ne te font pas vaciller. Une fois manifesté, l'affinité devient la jauge de manifestation. Lorsque la jauge atteint 0, la manifestation s'achève. Ok, d'accord. Il n'y avait pas des mobs là. Allez, viens, bon. Qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est intéressant de voir le souvenir de cette personne qui est devenue notre démon. Ça me rappelle un peu, je me souviens plus c'est quoi le jeu qu'on a fait Kane, quoi. Je suis un outil. J'ai le grand malheur d'être la princesse d'une petite nation. Vous me disiez bien, être bien habillée et tout. Oh, j'avais misé sur une héroïne. Le peuple. Tout était pour le peuple. J'entendais ça tout le temps. ただ、その言葉の裏に隠された私たちのためという両親の真意が、私の心を蝕み続けた。それでも私が心を保っていられたのは一人の男性を愛していたから。彼は Il était le prince de nation voisine, évidemment, c'est Roméo et Juliette. Nous comprenions et sommes profondément amoureux, mais j'ai résumé. Je n'ai jamais été aussi heureux. C'est tout ?
Vous me foutez de ma gueule, moi je vois des scènes et tout. J'en ai rien à foutre de voir le perso sur un fond blanc. Ouais, sauvegarder, ça peut être bien aussi. Oh, on est officiellement le 14. Ah non, il a 2 heures de retard le machin. Ok, bon. Je crois que j'en ai 0. Ah non, attendez, je vais peut-être parler trop vite. Compassion. Ça m'étonnerait qu'il y ait de la compassion, lui. Sans vouloir être vexant. Vigilance, au moins des erreurs avant la manifestation. Quelle zone d'attaque lorsque tu passes. Aïcha. Ok, d'accord. Compétence. Elle n'a que la sération rapide. On peut choisir l'équipement, putain. Il y avait des extensions ou pas sur ce jeu? Non, il n'y avait rien. Le jeu, c'est un devenu. Ok, d'accord. Bon. Ok, d'accord, ça marche. Seulement il y avait. J'allais dire si seulement il y avait. Si seulement il y avait une garde et tout, ce serait bien. Ouais, j'ai gagné confort, mais je me branle un peu en fait de commencer. C'est un peu dommage, mais. Ouais. Aïe! Pas donné en fait dans le fond, j'ai pas raconté. Il y a des morts aussi. Forcément officiel. D'accord, non. Oula. Et en plus, il s'inquiète pour moi, l'esprit. C'est-à-dire que lui, il en a rien à foutre du démon, hein. Clairement, il s'en bat les reins. Hein. Mais le démon, lui, s'inquiète pour lui. C'est fou. Enfin, elle. Débloqué de se tromper. Eh ben enfin. Donc j'allais dire faut vite développer des compétences. Clairement. Ah ouais, et 3... Qu'est-ce que c'est? Ouais, y'a un Athéna autre scénario. Ha!
clairement marteler la même touche, c'est chiant. C'est là où tu te rends compte de l'évolution des jeux, hein. Il y a une époque, c'était ça en fait. Alors. Merde. Faut faire gaffe à pas se laisser dépasser en fait par oula. Ouais. En plus, on a une limite dans le sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qui c'est du coup? Ah, les boîtes à musique, quand ça commence en général, c'est qu'il va y avoir un monstre qui va sortir ou un démon. D'ailleurs, ils ont mis le 10e épisode de From. Et aussi. On travaille tous les deux. Ah, c'est un flashback du passé, du perso. Ok, non. Yes, ils ont mis le dernier. Bon, je reviens. Je crois que c'est le dernier, je crois que c'est cet épisode. Mais... De quoi s'agit-il vraiment? Ce sont des âmes qui n'ont pas pu être réincarnées, données ou damnées ou bannies. Elles n'ont aucun souvenir de leur vie passée, mais elles peuvent créer des liens avec nous et sont capables d'exécuter des ordres. Nous tapons les démons. C'est Owari no Seraph en fait, c'est un spin-off. C'est vraiment Owari no Seraph. Techniquement parlant, c'est un type spécial des guerres. Onibito. N'y a-t-il aucun moyen de les aider à se souvenir de leur vie passée? Yeah. Son... C'est tellement triste, ouais. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un moyen de restaurer tes souvenirs. C'est un peu beau parce que du coup il y a ce côté ils nous servent mais en fait on devrait leur être plus reconnaissant que ça en fait parce qu'ils font plus que nous servir. Je trouve que c'est assez beau. Est-ce que c'est aussi un autre égaré, un autre démon et que du coup on peut pactiser? Il devient son gardien. Trophée obtenu, le sauveur. Bien évidemment, les trophées de bronze, je me les coltine, c'est une habitude. C'est des trucs de base, c'est l'aventure à l'origine. Un démon avec un sens fort, enfin un fort sens de la justice et une honnêteté inébranlable, même dans la mort, le tourment intérieur que ressent Zav est évident. Il garde les souvenirs lointains de la haine qu'il a subie et de ses profonds regrets. Zav brandit sa lance en fonçant dans la mêlée. Il peut encaisser les coups violents sans broncher. Il est capable de bondir dans les airs et peut ainsi attaquer de la terre comme du ciel. Yes, un nouveau Pokémon. Là, ça me rappelle, il faudrait qu'on finisse. Un nouveau boss. Ça va être fun. C'est l'occasion idéale pour tester ce nouveau démon. Ouais, c'est vraiment l'occasion idéale, hein. Clairement.
Là, c'est vraiment le moment qu'il fallait. Combien j'ai 2618 trophées de bronze, 400 d'argent, 499 d'or, 2 de platine. Je sais pas c'est quoi, un niveau 300. Non, mais parce qu'on obtient des niveaux en fonction des jeux auxquels on a joué. Puis... Ouais, mais vu le nombre de jeux auxquels j'ai joué, putain. Oula. J'ai pas fini les notes d'ailleurs. Bon bref. Allez, on y va. Pour permuter, tu peux manifester. Ok d'accord. Ouais, merde, il est où ? Oula. Je ne peux pas esquiver, il n'y a pas de commande d'esquive, bordel de merde. Mais le jeu m'attrait quand même un peu, il a l'air sympa. Pour le coup. Comment ? Comment on part dans ce putain de jeu ? On peut pas parer, ok, donc on peut pas parer. Comment je fais moi ? Comment on esquive ? Attendez. Non mais sur ma manette. Attendez, c'est une blague. C'est où esquive ? Attendez, sauter ? Wait. Ah ok d'accord. Si en plus il y avait un point faible spécial à viser en fait, ce serait cool. Il n'y a pas vraiment de point spécial. Genre de. Comme dans la zone dans Tales of Arise.
Ok, d'accord, attendez, j'ai compris. Ah ouais, on va essayer de dire. Alors. J'ai compris comment ça marche. Y'a pas de garde hein, pour le coup, c'est vraiment y'en a un qui sprint, y'en a un qui sprint. Les missiles, c'est foutu. Mais ouais, je commence à comprendre le truc. La musique est bien, par contre. Je trouve que la musique est assez entraînante et un peu cool. Il a aussi le meilleur allonge. En fait, c'est un truc à la chance. J'ai sauté, putain. J'allais dire, le truc est un peu chiant. Oui. On va s'arrêter là. Passez une bonne soirée. Bye. Non, je suis désolé, mais là, j'ai pas vu l'heure. J'ai la flemme de me prendre la tête. J'ai vraiment la